The Crew 2, c'est un peu comme ton ex. Tu sais qu'il faut pas que tu y retournes. Mais tu y retournes. Enfin bref, y'a tout le monde. C'était Monsieur Jack, comment allez-vous? C'était? Non, c'est Monsieur Jack, comment allez-vous? Écoutez, pour ma part, ça va plutôt pas tip-top. J'ai commence à avoir une extinction de voix, donc excusez-moi si je parle un peu bas, c'est que je ne peux pas faire autrement pour le moment. Enfin bref, on est là pour parler de l'arrivée du DLC de The Crew 2. Le Destruction Derby. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il allait avoir un DLC sur The Crew 2. Et encore moins que ça allait être du Demolition. Et honnêtement, quand les abonnés m'ont dit, tu devrais aller voir sur The Crew 2, il y a un DLC qui sort, va voir, etc. J'ai été voir et là je me suis dit, enfin. Et en plus de ça, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'ils lançaient le Player versus Player. JCJ. Ouais, JCJ, je crois qu'ils appellent ça comme ça. On va parler vite fait de ça. Je peux pas vous dire grand-chose, à part qu'il y a deux modes, le Destruction Derby et les courses normales. Ça marche pas, j'ai essayé de me connecter maintes et maintes fois, c'est dommage, c'est du ranked, mais ça, je pense que je vous ferai une vidéo par la suite. Je vous ferai une deuxième vidéo sur ce DLC-là, où on va parler, entre guillemets, enfin, parce qu'il y a du ranked sur ce jeu, et moi, ça me fait plaisir de retrouver du ranked comme, entre guillemets, The Crew 1. Enfin bref, on est là pour parler du Destruction Derby. Vous pouvez voir des gameplays qui tournent en dessous de moi parce que c'est pas en live. Je vous explique ça, il est minuit et demi quand je fais cette vidéo-là. J'ai voulu faire toutes les courses, tester toutes les courses, voir ce qui n'allait pas. Je pense que c'est beaucoup mieux que vous faire une vidéo en live et puis d'être comme un gogol à dire ah, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, là j'ai préféré faire tout ça. J'ai amélioré la voiture jusqu'à 128 ou je sais plus combien. On n'a qu'une seule voiture au départ, c'est la Fender. Je crois que ça doit être cette voiture-là. De tête, il me semble que c'est la Fender. Alors attendez, bougez pas. J'ai ça sous les yeux normalement. Ok, donc je l'ai pas. Donc ça doit être. On n'a qu'une voiture en Destruction Derby. Après, il faut les acheter avec le pack. Par exemple, vous allez devoir l'acheter avec des buckets. Vous allez avoir toutes les voitures de déverrouiller. À vous après de voir si vous voulez faire avec une seule voiture. Elles ont toutes le même niveau. Donc il n'y a pas une voiture qui est plus rapide que l'autre, pardon, ou qui est plus stable que l'autre. Voilà, c'est toutes les mêmes. Les caractéristiques, je les ai à peu près regardées. C'est toutes les mêmes. C'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas pris les bagnoles du DLC. Ensuite, donc, sur cette nouvelle activité pardon, du Destruction Derby, on va retrouver 8 courses. Dans ces 8 courses-là, vous allez avoir bien évidemment du Destruction Derby, des courses normales, donc en 8 avec un centre, comme sur Warface, où j'avais fait une vidéo où on peut se rencontrer et forcément faire des crashs. On a aussi les doubles virages, où on peut aussi se rencontrer à la sortie du virage pour ceux qui viennent d'une direction et de l'autre. Nous avons aussi, et ça j'ai kiffé, c'est le sumo. On a en total 4 modes sur cette activité Destruction Derby. Alors ça paraît peu, mais voilà, c'est déjà un bon début. Ils nous ont rajouté des activités. En plus, ils ont rajouté des activités dans d'autres modes, dans le drift et dans le off-road, etc. Ils rajoutent des activités, ils rajoutent des circuits à chaque match. Et honnêtement, c'est bien, ça fait plaisir. Je ne pourrais pas vous dire si le DLC arrive en retard ou quoi que ce soit, mais ça fait en tout cas plaisir. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait toutes les courses de 1 à 8. Je me suis amusé, honnêtement, l'une des premières fois que je m'amuse sur The Crew 2. Va falloir noter ça dans le calendrier, les gars, parce que je ne vais pas le dire souvent, à mon avis. Mais je me suis amusé sur ces activités-là. Alors, c'est parce que aussi j'adore le Destruction Derby, comme vous savez. Mais voilà, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai trouvé que ça donnait une nouvelle dynamique au jeu. Honnêtement, ça lance totalement un autre mode de jeu qu'on avait des courses simplistes avec un 4x4, une moto, un avion ou quoi que ce soit. Là, on est totalement sur autre chose. En plus, honnêtement, les bots, ils font pas semblant. S'ils veulent te botter le cul, les bots, ils te bottent le cul. Ah les gars, je vous le dis, vous le voyez dans la vidéo. Et notamment, deux points négatifs que j'ai trouvés par rapport au mode Demolition, tout simplement, en combat en arène. Les gars, c'est hyper dur de finir premier avec beaucoup de points d'avance. C'est hyper dur. Les bots, ils vous défoncent.
En normal, ils vous charcutent. C'est des charcutiers. Ils ont tous le bac pro BEP charcutier, honnêtement. Honnêtement. Après, honnêtement, c'est très bien. Mais c'est vrai que la première course, honnêtement, moi j'ai ragé. Avec une voiture équipée à zéro. Avec honnêtement, la première course, ils auraient dû la mettre en dernière ou au milieu. Ils auraient déjà nous faire commencer par des courses simplistes. C'est vrai que la première course, vous allez en chier pour ceux qui n'ont pas encore fait le DLC. Honnêtement, ça m'a très très vite énervé au début. Après, bon, j'ai pris le coup, etc. J'ai fini troisième, je suis passé à une autre course, etc. J'ai commencé à farmer les autres. Je me suis pas arrêté sur la première, et heureusement. Après, deuxième point que j'ai trouvé vraiment négatif, et je pense que ça m'a encore plus énervé que la première, c'est le fait des réapparitions dans les courses. Alors ça, les gars, vous allez voir dans une course, si vous vous faites démolir tout simplement, le temps de réapparition est ouf. Il y a, alors je vais pas dire en termes de secondes parce que j'ai pas compté et puis parce que j'ai pas envie de, voilà, j'ai assez tapé sur ce coup d'œil pour dire vraiment le fond de ma pensée. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le temps de réapparition? Vous allez le voir, au bout d'un moment, je crois que c'est tout sur le dernier gameplay ou je ne sais plus lequel, je me fais que je crache. Je crache, je suis premier. Mais écoutez bien, hein, j'ai presque un demi-tour d'avance sur les autres. Le temps que je réapparaisse, je finis quatrième de la course. Quatrième ou cinquième. C'est quand même énorme le temps qu'il y a fallu au jeu pour nous replacer sur la carte, sur la course. Ça, par exemple, c'est un truc, il va falloir qu'il règle ça. Honnêtement, il va falloir qu'il règle ça. Parce que ça va venir très relou. Après, vous allez me dire, est-ce que niveau farm, ça se farme très vite? Alors, ça peut se farmer très très vite. Il y a une course qui vous permet, je la ferai en vidéo, il y a une course qui vous permet, si vous prenez si vous partez bien correctement, que vous prenez les bonnes directions, etc., vous allez pouvoir farm cette course très rapidement et bien évidemment augmenter votre voiture et votre XP, etc., rapidement. Alors désolé, un petit problème d'enregistrement. Enfin bref, pour vous dire que, voilà, vous allez me dire, mais honnêtement, est-ce que tu trouves que ce DLC vaut le coup? Est-ce que s'il serait payant, parce que je le répète, sur The Crew 2 tout est gratuit, est-ce que s'il serait payant, tu nous dirais, prenez-le. Prenez-le, ça vaut le coup. Honnêtement, vous allez vous amuser. Oui, s'il serait payant, je vous dirais, allez-y, prenez-le. Honnêtement, c'est simple, c'est rigolo. En plus, il y a du live battle dessus, donc c'est-à-dire qu'en ligne, vous allez pouvoir rank sur ce mode-là. Et honnêtement, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Et surtout rager, hein, ça va avec. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose avec ce petit mode-là. Et je pense que c'est le début du changement par rapport à The Crew 2. Je pense que si les joueurs ils apprécient, si ça ramène la communauté qui est partie comme moi sur autre chose que de rester sur The Crew 2. Parce qu'il faut dire, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo de The Crew 2. Je suis plutôt un fan très déçu. Donc, si ça peut ramener les gens comme moi, honnêtement, c'est parfait. C'est parfait. Je pense qu'on va commencer un peu plus à voir le deuxième visage de The Crew 2. Et tant mieux. Et tant mieux parce qu'il fallait que. Honnêtement, ça me faisait chier, hein, de plus retourner sur The Crew 2. Mais là, il fallait quelque chose comme ça. Il fallait un côté encore beaucoup plus fun. Là, ils ont rajouté le PVP, donc player versus player, avec un système de ranked. Ils ont rajouté des courses qui, honnêtement, moi, me plaisent. Alors, après, je pense pas que c'est un truc qu'on va farm pendant 1000 ans. Mais c'est un truc, voilà, où on s'amuse, tout simplement. Pour ceux qui ont fait le Street Race, le Off-Road, le Pro Racing, etc., au maximum, honnêtement, là, je pense que c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait, après, à voir avec la suite ce qu'ils vont nous sortir. Mais là, honnêtement, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un DLC comme ça sur The Crew. Oui, je sais, c'est très rare de m'entendre dire ça. Mais voilà, vous savez que j'adore le Destruction Derby, donc. Il était de mon devoir de voir ce que ça donnait, tout simplement. Enfin bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu sur ce DLC-là. C'est pas fini, croyez-moi, je ferai d'autres vidéos par rapport au live battle et je ferai aussi une vidéo Farm Destruction Derby pour
vous expliquer quelle course à farm, quoi prendre dans les jetons de dans les catalogues sociaux. Alors je sais plus. Alors attendez. Ah ben mon jeu a bu... Ok, bon bah mon jeu a bugué. dans les points d'icônes, voilà. Dans les points d'icônes, quoi prendre pour farmer, etc. etc. Les courses de Destruction Derby. Je ferai une vidéo comme ça. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi du jeu. Hein, pour ceux qui l'ont en avant-première, je vous rappelle que nous qui avons le Season Pass, on a une semaine d'avance sur ceux qui n'ont pas le Season Pass. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, profitez-en pour vous faire votre propre avis en testant le jeu plus tard. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je serais quand même très très curieux de savoir ce que vous en pensez. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo découverte vous aura fait plaisir. Si elle t'a fait plaisir, lâche ton petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et si tu arrives sur la chaîne avec cette vidéo-là, et bien clique sur le petit logo qui aura au milieu de ma tronche. Et puis voilà, c'était Monsieur Jack. Peace!